Place Clichy et on va au théâtre de l'Européen. Et on va voir ce monsieur, Richard Bohinger, qui est un monsieur adorable. Rubio, Place Clichy et l'Européen est là. Bonsoir, bonsoir monsieur. Vous allez bien? Oh bah ça va plutôt bien. Alors ici c'est l'Européen. Super hein. Allez là-haut. Hop, voilà, vous filmez. Il y a un petit bar sympathique là-bas. Je suis parti comme toute la quête à la scène, à la relation avec le public. C'est hyper simple. Voilà, c'est un ensemble de textes tirés de tous les livres. C'est au pays de la mémoire et au pays des autres pays, au pays des autres peuples, au pays de nous tous, quoi, je veux dire, à nous. C'est sûr que si on peut pas me blairer, il faut pas venir. C'est pas une lecture, vous savez, avec une table, avec un truc, quoi. C'est debout, c'est un affrontement vertical, quoi. C'est la tradition orale, quoi. La position de l'artiste, de temps en temps, elle est un peu insupportable dans le sens où on aurait l'impression qu'ils sont détenteurs d'une émotion ou d'un truc, alors que l'émotion, elle est commune et que... Elle appartient aux gens qui vous croisent dans la rue, elle appartient à tout le monde. Moi, je ne suis qu'un buvard. Quand vous tombez en osmose avec un peuple ou avec la nature, c'est comme ça, quoi. Bah, ça veut dire que je pense que quelqu'un qui va sur scène, c'est pas pour aller dans le sens du vent, quoi. Et en tous les cas, ne pas être consensuel forcément avec tout ce qui se passe autour de nous. Et la sensibilité, elle est en tout le monde. Elle appartient au plus grand nombre. C'est une forme, on pourrait dire, une forme de slam aussi. Ça vient du discours, quoi. Ça vient de... Ce qui est grandiose, c'est la salle, quoi. C'est sa façon de réagir aux choses. C'est sa façon. Alors à ce moment-là, elle vous porte et puis vous lui renvoyez. Et puis c'est une générosité commune. C'est une ode à la vie, quoi. Hein, à la résistance. Ouais, mais l'utopie, c'est une arme hein, aussi. Hein. Ouais, c'est une arme qui rassemble. Hein. Profitons de cette chance pour que les gens payent pas trop cher dans leur place et qu'ils passent un bon moment, quoi. J'étais ravi d'écouter Bohinger. Je trouve que il a des capacités d'évocation très poétiques. Et vraiment, je suis ravi de la soirée. C'est surprenant parce qu'on ne s'y attend pas. Et puis après, moi j'ai pas de commentaire à faire, je pense que ça parle de soi-même. Voilà. Émouvant, attachant, présent, vivant. Oh bah écoutez, c'est comme d'habitude, à la fois poétique, à la fois caustique, superbe. Là je suis troublé. Je suis vraiment troublé. Il y a une émotion vraiment qui se dégage du personnage, des textes. C'est fabuleux. Très émouvant, magnifiquement émouvant.